Jamais nous n'aurions imaginé vivre ou filmer ce 11 janvier 2015. Jamais nous n'aurions imaginé nous retrouver au cœur de cette foule immense, ardente, unie. Nous filmions depuis des mois le ministère de l'Intérieur et son ministre lorsque le redouté, le terrible, survint. Avant que la France ne bascule dans l'horreur du terrorisme, nous filmions un ministère au cœur des crises. Notre histoire, celle de ce film, avait commencé à deux pas de l'Élysée, à l'hôtel de Beauvau. Un ministère à la fois familier et mystérieux. Un ministère au cœur de nos vies. Le ministère des commissariats, des casernes de pompiers, des gendarmeries. Celui du policier, au coin de la rue, mais aussi celui des préfets, partout en France. Celui des affaires secrètes et du renseignement. Celui de la petite ou de la grande délinquance. Et depuis 6 mois, c'était un homme, Bernard Cazeneuve, qui avait la responsabilité de cette lourde charge, répondre de la sécurité des Français. Ancien avocat, député maire de Cherbourg durant de longues années, passé par les affaires européennes et le budget, personne honnêtement ne l'attendait dans l'uniforme de premier flic de France. Il succédait à Manuel Valls et devenait ainsi le 42e ministre de l'Intérieur de la 5e République. Lors de la passation des pouvoirs, le premier ministre avait insisté sur l'urgence des urgences, un dossier grave, capital, le terrorisme. Nous sommes confrontés à une menace terroriste d'un type nouveau qui appelle de notre part des approches globales et face auxquelles nous devons, toujours avec responsabilité, rigueur, créer les conditions à la fois de l'information des Français, mais aussi de l'unité nationale. En septembre 2014, 930 Français étaient impliqués dans le djihad. Beaucoup d'entre eux partaient rejoindre les théâtres de guerre en Syrie. À leur retour, certains peuvent constituer autant de bombes à retardement. Déjà à cette époque se posait l'éternel dilemme entre liberté et sécurité. Comment endiguer le phénomène terroriste sans rogner les libertés publiques ? Fallait-il, par exemple, interdire de sortir du territoire ceux qui ne sont encore que de potentiels djihadistes ? Fallait-il les déchoir de leur nationalité ? Criminaliser l'apologie du terrorisme ? Autant de questions qui allaient provoquer de vifs débats à l'Assemblée nationale où Bernard Cazeneuve présentait son projet de loi contre le terrorisme. Vous avez passé, monsieur le ministre, 8 minutes tout à l'heure à rassurer, à vous justifier devant votre majorité pour lui expliquer que non, vous n'étiez pas en train de vous asseoir sur les libertés individuelles ou sur les libertés publiques. Mais nous ne vous soupçonnons pas de ça, c'est pas un procès qu'on vous fera. J'allais dire bien au contraire, faites-le, asseyez-vous de temps en temps dessus. Vous serez contraint, face à la pression des événements, à revenir dans l'urgence et après que des drames se soient produits pour adopter, comme nous le faisons aujourd'hui, les dispositions que l'opposition soutient et réclame. Lorsqu'il est proposé un amendement qui établit la déchéance de nationalité alors qu'elle existe déjà en droit français, je ne le prends pas parce que la lutte contre le terrorisme, elle ne se fait pas contre la Constitution. Il est inutile d'aller stigmatiser de manière supplémentaire quelqu'un qui n'est pas encore, qui n'a fait l'objet d'aucune procédure judiciaire. Tous ceux, belles âmes dans cette Assemblée, qui parlent de liberté d'aller et venir, je leur demande de prendre conscience que nous avons, comme je l'ai dit hier, changé de monde, que ceci est un état de guerre qui nous est imposé, qui n'est pas de notre fait, et que ce qui est en jeu, c'est la vie de nos concitoyens. On lutte contre le terrorisme pour faire en sorte que les libertés publiques, l'état de droit soient protégés et préservés des atteintes des terroristes. Donc on combat le terrorisme avec les armes de la démocratie.
Une première bataille gagnée sur le terrain législatif, mais qui en annonçait une autre. Celle de la communication, espace de prédilection de cet autoproclamé État islamique. Celui-ci multipliait annonces et vidéos de propagande destinées à effrayer l'opinion publique de nos pays. Fallait-il répondre à chaque provocation, au risque d'alimenter la propagande de Daesh et de s'en faire les relais ? Pour tous les ennemis de l'islam. Cette fois-ci, le communiqué provenait directement du porte-parole de l'État islamique. Et ce sont les Français, clairement, qui l'appellent à assassiner. Si vous pouvez tuer un infidèle européen, américain, en particulier le méchant et sale français, alors comptez sur Allah et tuez-le de n'importe quelle manière. L'organisation État islamique a lancé lundi un appel à ses partisans à tuer des citoyens, notamment américains et français, des pays formant la coalition internationale mise en place pour combattre le groupe djihadiste en Irak et en Syrie. Tu l'as, la dépêche ? En fait, en réalité, c'est pas parce qu'ils font une vidéo que la menace grandit. La menace, elle est là. Encore que si, en fait. À la tentative de terrorisation, on répond par la force des démocraties. La force des démocraties, c'est les forces de sécurité. La force des démocraties, c'est d'être alliés. La France, les États-Unis, l'Europe. Et puis voilà. Il faudra faire un truc, il faut voir si ça tient debout. Non. Je pense qu'on peut faire un anti-OGJKL 1976. La France n'a pas peur. Oui, c'est pas mal. La France n'a pas peur. Comment c'est comme ça ? L'idée que c'est une garantie à 100%, c'est ce qu'il dit à chaque fois. Même si le risque zéro n'existait pas, nous prenons 100% de précaution. Et tu veux pas dire, deuxième phrase, la France n'a pas peur parce que nous combattons les terroristes à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord, merci. On n'avait pas mis la dimension de explicitement la dimension de cohésion nationale. C'est fait. D'accord. Voilà ce que je propose, tiens, je vais lire comme ça vous casse ce que vous pensez. Les terroristes de Daesh ont lancé aujourd'hui un appel au meurtre visant les citoyens des pays de la coalition internationale qui lutte en Irak contre la barbarie qu'ils tentent de propager. Grâce à cette loi, nos services de sécurité seront mieux armés dans le respect rigoureux des libertés publiques. Donc, le gouvernement prend et continuera à prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des Français. Il le fera avec sang-froid, sans se laisser impressionner par l'abjection des terroristes de Daesh. La France n'a pas peur. Elle n'a pas peur car ce n'est pas la première fois qu'elle se trouve menacée par des groupes terroristes qui s'attaquent aux valeurs de tolérance, d'humanisme, de respect des droits de l'homme, de la démocratie, qui sont les valeurs que porte la France à travers une histoire séculaire. Le gouvernement prend et continuera à prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des Français. Il le fera avec sang-froid, sans se laisser impressionner par l'abjection des terroristes de Daesh. Je vous remercie. La France n'a pas peur. C'est dit, c'est martelé. Mais au-delà de la posture, la France a-t-elle vraiment les moyens d'appréhender rapidement ceux qui reviennent du djihad ? Surtout que dès le lendemain de l'annonce, 3 djihadistes aguerris rentrent de Turquie sans être nullement inquiétés. Cela s'appelle un couac, un vrai. Voici l'un des 3 djihadistes français qui a décollé d'Istanbul hier. 3 combattants de retour de Syrie, expulsés vers la France par des policiers turcs. Et pourtant, ils ont effectué un vol comme n'importe quel autre passager.
À leur arrivée à Marseille, les trois hommes passent la douane sans être inquiétés. Comme n'importe quel client, ils louent une voiture et rentrent tranquillement chez eux. Scandale. Alors, pour ne pas laisser la polémique enfler, le ministre s'est rendu très vite à Ankara pour rencontrer son homologue turc. Face à ces allers-retours de combattants du djihad, il fallait pour Bernard Cazeneuve afficher une collaboration renforcée avec la Turquie, point de passage quasi obligé vers la Syrie. Car oui, pour le ministre, la sécurité des Français est aussi affaire de diplomatie. En effet, cette question des combattants étrangers concerne toute l'Europe et ses partenaires. Le G6, qui rassemble tous les ministres de l'Intérieur des principaux pays européens, était invité par Bernard Cazeneuve à se réunir à l'hôtel de Beauvau. Ah, y a, le ministre américain n'est pas là. Il arrive un peu plus tard, le ministre américain. D'accord, ouais. Du coup, je me demande si c'est de la photo de famille, on va pas plutôt la faire dehors que, dedans. C'est plus sympa. Hein. Ah oui. Je vais voir ça avec Edith. C'est qu'ils n'ont pas encore atterri, là. Ça commence dans 5 minutes. Ouais. Ils n'ont pas encore atterri au projet. Quel canal ils doivent prendre pour leur réflexion? L'objectif de ce G6, négocier la mise en place d'un contrôle renforcé des voyageurs, cela s'appelle le PNR, Passenger Name Record. Nous avons proposé une solution qui consiste à exiger des voyageurs les cartes d'embarquement et de ne contrôler que ceux qui proviennent des zones à risque et seulement s'ils entrent dans des critères de risque. Contrôler l'identité des voyageurs, leurs allées et venues dans les avions et les aéroports. Mais jusqu'où, jusqu'à quand et qui? Des questions posées directement à ce ministère en charge notamment du contrôle des frontières. Ces frontières que franchissent ceux qui partent faire le djihad, mais aussi ceux qui le fuient. Ils sont des milliers à traverser la Méditerranée, transformés souvent en cimetières marins, car beaucoup y périssent. Érythrée, Somalie, Syrie et tant d'autres. Une partie à Tincalais, un port vers l'Angleterre rêvée, présenté comme un Eldorado. Et c'est place Beauvau que l'on tente de répondre à cette grave crise humanitaire. On a peur, nous, tous les jours, d'être mis sur la défensive. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait l'État? Et ça, c'est une position qui peut être très inconfortable. Et qui est la musique lancinante. Je pense qu'il y a vraiment une double attente sur la réponse humanitaire et la réponse en termes de sécurité. Les deux, bien montrer que c'est équilibré. Le contexte international est quand même ce qu'il est. Les gens sont traumatisés par le fait qu'on persécute, qu'on décapite et qu'on égorge des gens. Bon, donc, on est quand même fondé à les accueillir, ces migrants. C'est un énorme sujet sur le plan humain. L'asile et la réponse en termes d'asile est... Une réponse qu'on peut apporter. Il faut quand même qu'on montre aussi quelle est la différence entre la politique et celle de la droite. Alors affirmer un souci d'humanité au-delà du démantèlement des camps et des expulsions très nombreuses, oui. Mais à Calais, Natacha Bouchard, la maire UMP de la ville, dénonçait une situation intenable qui s'envenimait chaque jour. La cohabitation ne semblait plus possible avec des habitants exaspérés, exigeant toujours plus de sécurité. La population ne peut pas supporter cette situation, ne peut plus supporter cette situation. Il y a dans ces populations migrantes des migrants qui n'ont pas leur place, qui doivent être interpellés, qui doivent aller en centre de détention. Ça n'est pas ce qui se fait aujourd'hui, on laisse faire. Et face à cette insécurité qu'elle qualifiait de croissante, la question de la création d'un centre d'accueil de jour nommé Jules Ferry se pose afin d'éloigner les migrants du centre-ville. Alors, sur l'accueil de jour, monsieur le ministre, donc, je suis allé voir le site proposé par madame Bouchard. Il y a deux problèmes. Premièrement, c'est très proche du port. Deuxième problème, c'est que c'est un site immense, il fait 15 hectares et il est entouré de grandes pâtures. Donc il est évident que les migrants viendront s'installer autour du centre de jour, à proximité immédiate, et on ne peut pas exclure d'ailleurs qu'assez rapidement, ils s'installent à l'intérieur du centre de jour. Comment alors créer un centre d'accueil pour réfugiés sans reconstituer un autre Sangatte? Ce centre de triste mémoire fermé en 2002, dont les capacités d'accueil avaient été dépassées par l'afflux de migrants. Et cela avait créé une situation humanitaire insoutenable. Il faut montrer qu'il y a une réponse équilibrée et complète,
Il faut continuer de dire ce qu'on fait au niveau européen, dire oui, il y a une réponse humanitaire, il y a une réponse sécuritaire. On parle à tous. Parce que tu traites pas l'immigration comme un problème de sécurité, c'est pas vrai. Et c'est pas qu'un problème d'immigration. Ouais, pour les gens, un centre à Calais pour accueillir les migrants, ça fait ding, sans gâte. Oui, ça, ça ne comprend pas. Et ça va pas solutionner. Si, mais je pense qu'il faut expliquer que ça prendra un peu de temps, que c'est pas comme ça. Et pendant qu'à Paris, au ministère, on débattait, on réfléchissait, à Calais, la tension n'en finissait pas de monter. La police débordée manifestait son ras-le-bol, une aubaine pour les adversaires politiques. On sait pertinemment quels sont les points d'entrée de l'immigration clandestine dans notre pays. On sait quelles sont les filières qui sont utilisées. On sait très bien qu'avec le laxisme qu'on laisse mettre en œuvre, ce sont les passeurs qui y gagnent. Et quelle est la réponse du gouvernement ? Quelques dizaines de policiers supplémentaires à qui on ne donne pas d'ordre, à qui on ne donne pas de possibilité de faire leur travail. Et quoi ? Un assouplissement du droit d'asile ? Vous croyez que c'est susceptible d'arrêter le nombre de migrants et l'aggravation du nombre de migrants à Calais? Évidemment que non. Ça fait des semaines que vous dites qu'on va se faire avoir par tout le monde. Là, si maintenant tout le monde y va sauf moi... Je préviens que ça va se passer. J'ai dit, il faut y aller vite. Il va y avoir un problème. Après Le Pen, d'autres vont y aller. Ça va être le... Et à chaque fois qu'un autre va y aller, on va dire le ministre n'y est toujours pas allé. Enfin, il faut quand même atterrir un peu. On n'est pas ici Louis XIV et les autres... Faut se rendre compte quand même de ce qu'est le contexte. Il y a un moment où il faut savoir être au bon moment, au bon endroit. Il fallait alors, pour l'intérieur, répartir les demandeurs d'asile sur tout le territoire national, renforcer la sécurité du port de Calais pour diminuer les possibilités de passage, démanteler les filières de l'immigration clandestine, augmenter de façon significative le nombre de reconduites à la frontière et négocier les contrôles au niveau européen. Puis enfin, il fallait ouvrir ce centre d'accueil de jour. Pour Bernard Cazeneuve, l'heure était venue de présenter sa feuille de route à Calais et pour Calais. La République, ce sont des traditions. C'est une exigence de rassemblement aussi, parce qu'il y a des sujets graves qui ont une dimension humanitaire et qui impliquent que les élus, l'État, sachent se rassembler pour trouver des solutions. Si nous ne parvenons pas à travailler dans la durée avec les associations, les collectivités locales, pour qu'il y ait une solution digne et durable qui soit apportée à la situation de ceux qui sont à Calais en situation de détresse, alors nous n'aurons pas rempli notre devoir d'État. Mais était-ce une solution durable pour Calais et ses habitants? Pour les migrants venus chercher refuge? Pour les acteurs associatifs? Pour les forces de l'ordre? Pour les élus locaux? Alors que les démantèlements de filières de passeurs et les expulsions augmentaient, de nouveaux migrants arrivaient chaque jour et les tentes déjà se multipliaient autour du centre d'accueil de jour, seulement de jour. Alors jusqu'à quand cette solution allait-elle tenir? Jusqu'à quand pourrait-on éviter de nouveaux drames? Calais, terrorisme et puis le reste, tout le reste, qu'il soit le ministère de l'actualité brûlante ou le ministère du quotidien, quel que soit le dossier à gérer, le ministère de l'Intérieur est toujours en prise directe avec la population. De la simple amende, en passant par la garde à vue, du tapage nocturne au dépôt de plainte, le commissariat de police fait partie, pour une raison ou une autre, du paysage des Français. Quand on a des manifestations un petit peu sensibles avec des itinéraires compliqués, des risques de casse, il faut un travail préparatoire avec tous les commerçants, avec les riverains. Tout ça, c'est fait par eux. Les chantiers, on voit les chantiers, on demande aux chantiers de ranger, enlever les projectiles, faire enlever les vélib. Voilà. J'allais dire, quelque part, nous sommes un service, j'allais dire, même pour les manifestants, quelque part. Et ils apprécient d'être guidés dans ce sens-là. Et au-delà de ça, avec les institutionnels, entre guillemets, qui manifestent très régulièrement, que ce soit certaines communautés étrangères ou certains syndicats, etc., il y a des relations presque de personne à personne qui se créent. Ah oui. On les crougerait depuis des années, on les connaît tous, voilà. Et donc on arrive parfois, et ce facteur humain est essentiel, parce qu'on arrive à rattraper des situations sur le terrain, parce qu'on a une confiance mutuelle, une connaissance, et presque la camaraderie, mais quelque part, c'est un peu ça. Pas trop. Vous voyez, la manif pour tous. Cette relation de confiance, elle est très importante dans l'estime que la population porte à la police dans ce pays. Mais une manif bien organisée, les commerçants sont contents. Puis, au détour d'un couloir, Bernard Cazeneuve rencontre aussi des syndicalistes policiers qui lui font un comité d'accueil. Il n'y a pas les méchants policiers d'un côté, les autres de l'autre. Donc ceux qui
vous devez, en raison du code de déontologie, le respect aux citoyens, et c'est votre règle de conduite, c'est votre manière d'être, et les citoyens vous doivent du respect. Il faut s'occuper de ceux qui ne respectent pas le code, mais de l'autre côté aussi. Vous parlez des gens qui nous apprécient, tout le monde ne nous apprécie pas de l'autre côté de la barrière. Là aussi, il faut s'occuper de ces gens. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. De casseurs harcèlent les forces de l'ordre. Mission pour le GTG, dégager le centre de la ville. Nouvelle mission, intervenir sous le signe de l'urgence pour faire cesser tous les troubles à l'ordre public et protéger et préserver l'intégrité des infrastructures. De la place des justes, des bouchers, place de la loi. Interpeller également les auteurs des infractions. Parce que c'est bien pris de bonne journée. On est moins dans l'ambiance avec la tête fermée. Hein. Oui, mais on sera mieux dans l'avion. Mais on peut mieux converser. Oui. Si on laisse votre question, il vaut mieux voir la fenêtre. Alors, l'accoutumance au feu, au-delà de l'aspect peut-être spectaculaire dans le cadre d'un exercice, et traduit vraiment une application opérationnelle. Là aussi, c'est un retour que nous font nos personnels et nos escadrons. À savoir que, sortant de stage, quand ils sont engagés et confrontés à un adversaire qui utilise des engins incendiaires, ce qui arrive, hein, ça a été le cas au mois de septembre, notamment dans le Tarn, à Lille-sur-Tarn, bon, les adversaires avaient des engins incendiaires. À tous les échos, Finex. On va arrêter l'exercice qui se termine. On va avoir à peu près 10 minutes d'attente, le temps que les escadrons se rassemblent place de l'Europe. Un exercice grandeur nature sous le regard attentif d'un ministre de l'Intérieur qui se veut proche de ses troupes. Un exercice, oui, mais bien rodé, témoignant de la maîtrise des forces de l'ordre censées être capables de contrôler des émeutes et sans bavure. Un exercice, rien qu'un exercice. Il y a 4 camions par ici. Ne nous tuez pas non plus. Il était 2h du matin quand le corps d'un jeune homme a été découvert sur le site du barrage de Sivens dans le Tarn. Quelques heures plus tôt, des affrontements avaient éclaté entre manifestants opposés au chantier et forces de l'ordre. Difficile pour le moment d'établir les circonstances du drame. Une autopsie sera pratiquée demain. Les résultats de l'autopsie, tu penses qu'on les aura vers quelle heure ? Ok, bon, écoute, on verra quand on aura les retours. Ouais, 13h30, ouais, ouais. D'accord. Le procureur devrait se manifester sur le coup de 17h30. Donc simplement, il faut, pour 21h, qu'on ait des éléments qui soient actualisés. En fonction des résultats, on verra ce qu'on dit. Le légiste ne peut ni affirmer ni infirmer, sur la base des lésions anatomiques relevées, que l'origine de la plaie proviendrait d'une grenade lancée depuis la zone où les gendarmes étaient retranchés. Des investigations sont en cours au laboratoire de police scientifique de Toulouse pour permettre de découvrir la présence de traces de grenades sur les prélèvements effectués sur la victime. Enfin, moi, je vois pas comment une grenade peut exploser à bout touchant.
Certains disaient que la grenade a pu se coincer dans le sac. J'ai du, voir, du mal à voir comment mécaniquement ça peut se passer, mais bon. Après, il y a peut-être quelque chose dans le sac qui a explosé. Moi, mais je en pense même temps, que... je pense qu'il faut laisser le proc. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Ouais. Et puis, bon, le proc, les gens ne comprendraient pas qu'on se positionne sur certains sujets judiciaires. Je vais aller là. Passe mon général. Quoi ? Y allez vous-même. Très bien. En l'état, il faut qu'on aille au bout des, à la fois de l'autopsie, qui est, on a les premiers résultats, mais également des examens de laboratoire pour savoir ce qu'il en est vraiment. Bon, moi, j'ai eu le ministre plusieurs fois, il connaît notre souci de transparence, donc on est bien dans cette logique-là de savoir ce qui s'est passé, mais pour l'instant, il, on ne peut pas laisser dire que les gendarmes sont à l'origine du coup. Donc là, il faut attendre demain. Demain, on y verra un peu, on y verra clair. Je vous fais également un dossier avec des photos. On voit bien qu'il y a les écolos qui sont là pour, enfin, dans une ambiance festive et les gens qui viennent uniquement pour casser. Et ils viennent casser avec des instruments, des bouteilles de gaz qui sont là, qui peuvent tuer. Enfin, une... Il faudrait que vous me les donniez avant ce soir. Hein. Oui, mais dès que je les ai, je vais poser la question au gouvernement, c'est à 15h. D'abord, dans la continuité des propos tenus par le Premier ministre, je voudrais avoir une pensée pour le jeune Rémi Fraisse qui a perdu la vie à l'occasion des événements que l'on sait qui se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Quand on a la responsabilité qui est la mienne dans un gouvernement et qu'on est confronté à des événements de ce type, on ressent au plus profond de soi-même une blessure et une immense compassion pour les parents, pour les amis qui sont aujourd'hui dans un incommensurable chagrin. Et cette peine, ce chagrin nous oblige. Il nous impose un devoir moral, celui de la vérité. Ça va être une tornade médiatique très vraisemblablement, mais il ne faut pas méconnaître en interne aussi, il va falloir le gérer. Mmh. Et puis, et dans l'absolu, quand tu as un gendarme ou un policier qui est responsable de la mort de quelqu'un, même si c'est la faute à pas de chance, les gars, ils sont pas bien. J'en ai vu plus d'un. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé que la réponse du ministre était bien, parce que tout ministre de l'Intérieur qu'il est, il dit, vous savez, je suis en responsabilité, moi ça me marque, quoi. Et bien pour le gendarme, ce sera exactement pareil. Oui. Donc je pense qu'il faut aussi être sur ce registre-là, même si ce n'est pas ce qui permettra d'en sortir, et là je suis d'accord avec toi, il y a d'autres choses, l'enquête, parce que plus jamais ça. Moi j'ai entendu le père dire, c'est pas violent, c'est pas... Et sa compagne aussi, qui on voit dans les revues de presse, il a été avec les gens violents, mais il n'était pas équipé. Ouais. Je sais pas ce que vous dites. Lorsque le drame se produit le dimanche matin, on m'indique que la vérité sera possible dès le lundi. Et puis finalement, elle ne viendra que plus tard. Moi, je fais confiance à la gendarmerie et très vite, j'acquiers la conviction que c'est l'engrenage de la violence qui conduit à ce drame. Je peux vous indiquer qu'on a retrouvé des traces de TNT sur certains scellés provenant donc des effets vestimentaires de la malheureuse victime. Le TNT figure en effet dans la composition des charges des grenades lacrymogènes ou offensives utilisées par les gendarmes. Regarde les éléments déjà, s'il y a des choses à changer. Comment ça se passe, les fiches? Il peut sortir là, il est au Sénat, il peut sortir. Il peut sortir quand il veut et parler? Tu vois, déjà le jour de 18h, c'est limite, mais bon, il faut quand même qu'on redige des trucs, mais pas, en aucun cas les 20h sans avoir parlé. Je trouve que là, nous sommes face à une affaire d'État. Je pense qu'on est face à une situation qui est pour moi absolument intolérable et qui va finir par être une tâche indélébile sur l'action de ce gouvernement. Aujourd'hui, il est évident que le ministre de l'Intérieur a la responsabilité de cette situation. Si Vince n'est pas l'Irak, et je ne comprends pas que des forces de l'ordre républicaines et utiliser des armes militaires. Je rappelle que depuis 1977, il n'y avait pas eu de mort dans une manifestation écolo. Depuis 1986, et Malik Oussekine, il n'y avait pas eu de mort dans une manifestation. Il y a une responsabilité politique, dont Cazeneuve doit démissionner. Si quelqu'un doit démissionner aujourd'hui, c'est lui. J'ai décidé, compte tenu des éléments qui ont été communiqués par le procureur de la République, et quand bien même l'enquête qui a été engagée ne témoignerait à la fin d'aucune faute, d'engager dès aujourd'hui
une inspection générale de l'inspection générale de la police nationale et de l'inspection générale de la gendarmerie destinée à déterminer les conditions d'utilisation de ces projectiles dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Ce n'est pas un peu disproportionné d'utiliser ce type d'arme offensive ? Trouver un équilibre entre soutien aux forces de l'ordre et soutien à la famille de la victime et tenir face aux accusations de ceux alors alliés politiques qui réclamaient désormais la démission du ministre de l'Intérieur. Face à la presse, la légitimité de Bernard Cazeneuve était ébranlée. Je connais par cœur, il va regarder les trucs très, très précisément, mais très méticuleuse comme d'habitude. Il va se faire expliquer les choses au fond. Et puis il va prendre toutes les mesures utiles, y compris s'il faut redimensionner l'usage des armes, lesquelles, comment, dans quelles circonstances, la chaîne hiérarchique du commandement, il est capable de descendre dans des détails, mais on n'a même pas idée. Les violences, il faut les qualifier, hein, pas moi, pour eux, les 56 policiers blessés, ça vaut rien. La violence contre les policiers est légitime. Non, mais ça, c'est vrai. Donc, c'est un énorme sujet. On est, voilà, dans le pathos. Et moi, je suis pas comme ça. Et pas du tout. J'ai pas l'intention de me cacher que je suis pas comme ça. Et je suis tout à fait prêt à assumer d'aller à contre-courant. C'est quand même grave. Mets-toi à ma place. On t'accuse d'être responsable de la mort d'un jeune. Et tu dis rien. Tu protèges les ministres de l'Intérieur, tu regardes tout ça de haut sans te défendre. C'est donc plus qui va prendre ma défense. Qui ? Toutes ces groupuscules, ils les ont condamnés, qui font de la violence, qui engendrent de la violence, ils ont eu un mot. Ils ont eu un mot pour les appeler au calme. Où est leur responsabilité? Où est leur éthique? C'est quoi ces gens-là? Il faut le dire, tout ça. Franchement. Donc la politique, ça consiste à ne jamais dire des vérités. C'est pas ça. C'est pas ma conception. Un jeune homme de 21 ans meurt dans une opération de maintien de l'ordre, c'est un échec. Et je n'ai jamais cherché sur cette affaire-là, ni à occulter les responsabilités, ni à faire diversion, ni à masquer ou à dissimuler des choses. J'étais dans cette obsession de la vérité et dans une considérable émotion. Et quand vous êtes dans cette situation-là, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, mais ça n'intéresse pas ceux qui ont déjà décidé d'écrire la fin et de porter les jugements. Mais la victime dans cette affaire, c'est Rémi Fraisse. L'idée de présenter votre démission au chef de l'État vous a traversé l'esprit ? Jamais. Jamais ? Non. Le chef de l'État et le Premier ministre savent que moi, je suis là pour servir. Que je n'ai pas d'objectif pour après, que je n'ai pas de carrière personnelle, que après mon passage aux côtés du président de la République dans ses fonctions, je n'ai pas d'objectif pour après. Donc ils le savent, ils savent très bien que je suis un serviteur de l'État. Et une fois la tempête passée, il faut continuer d'incarner l'État, au quotidien, partout. C'est un combat pour sauver des vies, c'est un combat pour éviter de nouveaux dangers, c'est une course contre la montre. Des catastrophes climatiques à l'insécurité routière, de l'avion qui s'écrase à l'enlèvement d'enfants, des vols au trafic en tout genre, le ministre doit d'être partout. On voit bien nos caméras ici dans nos centres. Bon. Moi, c'est tout ce que j'ai à demander, donc je le demande droit au but, je ne fais pas de détour. Pour ça. Le ministre de l'Intérieur, ministre de l'Urgence, se doit d'incarner l'ordre et la sécurité. Il doit soutenir ses troupes tout en rassurant les citoyens. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Ça va ? Très bien. Nous avons le souci de l'égalité des Français face à la politique de sécurité. C'est un droit pour tous et par conséquent un devoir pour mon ministère d'être en situation d'assurer la sécurité pour tous, en tout point, du territoire national. Ce ministère est le ministère de Laval. Il est là pour gérer toutes les crises que les autres n'ont pas réussi à gérer avant nous. Tous les dossiers qui merdent, d'une manière ou d'une autre,
une route qui est mal faite et qui fait un accident, et qui provoque un accident, c'est pas de la faute du ministère de l'Intérieur si la route est mal faite. C'est pas cette administration-là, sauf qu'il y a un accident et c'est le ministère de l'Intérieur qui doit sauver les gens, qui doit envoyer les secours, qui doit coordonner la réponse, qui doit parler aux familles souvent. Enfin, voilà. Un barrage qui pose problème et qui est contesté, c'est pas le ministère de l'Intérieur qui a pris la décision du barrage et qui fait les négociations avec les parties prenantes. Sauf que quand ça merde, c'est le ministère de l'Intérieur qui envoie ses gendarmes et qui doit faire face. Bon. Un conflit qui n'est pas réglé depuis 70 ans en Palestine provoque en 2014 des manifestations monstres dans Paris, boulevard Barbès. C'est chez nous que ça tombe. Ouais. C'est nous, la responsabilité qui est engagée, c'est celle du ministre de l'Intérieur et du préfet de police de Paris. Un ministère au cœur des crises qui se cumulent, se chevauchent, se multiplient dans un climat où ce que l'on appelle le vivre ensemble se fragilise. La situation des musulmans de France prise en étau entre une recrudescence des actes et des discours islamophobes et une montée en puissance de la radicalisation religieuse inquiète l'hôtel de Beauvau. Sur l'agenda de Bernard Cazeneuve, qui est aussi ministre des Cultes, rencontre avec le ministre algérien des Affaires religieuses. Au programme, la formation des imams de France. La laïcité en France, c'est la possibilité de croire ou de ne pas croire, pour ceux qui croient, de choisir en conscience leur religion dans le respect des valeurs de la République, avec une transcendance de la République par rapport aux religions, en tant qu'elle est notre maison commune qui permet à chacun librement, en conscience, de faire ses choix personnels et religieux. Pour nous, c'est très important qu'il y ait une bonne compréhension de la part de tous les représentants des cultes de ce qu'est cette particularité française, surtout dans un contexte où il peut y avoir des tensions. Il faut vivre sa religiosité, mais se sentir républicain en même temps. Vivre sa religiosité et ressentir ses obligations envers la société. Parce que le problème, c'est la radicalisation actuellement. La pratique de la langue est la porte d'entrée vers la radicalisation qui s'accompagne généralement d'une ignorance totale de ce qu'est le Coran, son esprit, son texte, etc. Total. Nous allons ouvrir notre faculté de sciences islamiques, spécialité imama. Nous serons disposés à octroyer quand même des bourses pour ceux que vous jugez utiles de former. L'idéal serait l'institut, en lien avec l'université française et l'université algérienne. Un pont entre l'université française et l'université algérienne serait excellent. Je crois que nous allons quand même endiguer, canaliser et prendre en charge la vie culturelle en France. Ça veut dire qu'il faut construire une stratégie, parce que nous n'en sommes pas là. C'est une stratégie. Nous ne sommes pas là du tout. La laïcité, ce n'est pas une déclaration de guerre contre les religions. C'est encore moins une déclaration de guerre à l'encontre d'une religion. La laïcité, c'est un principe républicain inclusif. Pour consolider cette collaboration, le ministre avait rendez-vous à Alger. Mais avant de rencontrer de nouveau les autorités du pays, la délégation française se réunissait à l'ambassade de France. L'approche algérienne est une approche qui consiste à faire de la Grande Mosquée de Paris le lieu référent de formation des imams en France et en Europe. Et donc, avant de mettre en place une structure de ce type en France, sauf à décider qu'on ne traite qu'avec les Algériens sans parler aux autres, ça serait très compliqué. Il existe quand même aujourd'hui des interlocuteurs, on les voit dans la région, qui disent, mais attendez, entre l'influence des Turcs, des Marocains et des Algériens, il y a nous. Il y a nous qui ne supportons plus. Nous, les musulmans de France, qui ne supportons plus. Mais qui ne supportent plus d'avoir ces influences. Je pense qu'on est dans une sorte de période intermédiaire entre la période des musulmans qui se sont déracinés et installés et une masse musulmane française, née en France, de culture française, sécularisée. Donc, moi, ce que je proposerais, c'est qu'il faut nouer des relations entre nos meilleures universités et les meilleures universités de chaque pays, autour des principes définis par Mohamed Issa et nous. Qu'on fasse avec le Maroc, qu'on fasse avec la Turquie, si c'est possible. Et je pense que là, on a une fenêtre de tir qui est unique. C'est la première fois depuis l'indépendance où un ministre du culte tient des propos de ce genre. C'est dire qu'ils ont pris la mesure du danger salafiste et qu'il y a quelqu'un qui s'en charge. On a besoin d'avoir des représentants du culte musulman et des Français de confession musulmane qui disent à la fois l'attachement qu'ils ont à leur religion et l'attachement qu'ils ont à la République.
et qui apporte la démonstration que ces deux fidélités ne sont pas incompatibles. Au contraire, qu'il y a une immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des Français de confession musulmane, qui entendent pratiquer leur culte en France dans le respect scrupuleux de ce que sont les valeurs de la République. La grand-mère est tout à fait au bout. Baissez-vous. Je sais pas bouger, surtout pas. On les a déjà appris. Quelques minutes après ces crimes abjects qui se sont produits, je me rends immédiatement au siège de Charlie Hebdo, après avoir prévenu le président de la République et le Premier ministre de ce qui vient de se passer. Je vois ce que l'on sait, c'est-à-dire un drame, une horreur, une abjection, une violence, une tristesse, un effroi. Il y a un acte d'une exceptionnelle barbarie. Vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté, contre des journalistes qui avaient toujours voulu montrer qu'ils pouvaient agir en France pour défendre leurs idées et pour avoir justement cette liberté que la République protège. Ce que redoutait le ministère depuis de longs mois venait, hélas, finalement de se produire. Une cellule interministérielle de crise fut immédiatement activée au sous-sol de la place Beauvau. Sous la présidence de Bernard Cazeneuve, il fallait évaluer au plus vite les mesures du plan Vigipirate, alerte, attentat. En ce qui concerne les Vigipirate, il a été pris en compte toutes les directives données sur des points sensibles comme les sites nucléaires. Sur 57 personnes impliquées en dehors des urgences absolues et relatives, 40 ont été pris en charge par les cellules d'urgence médico-psychologiques. On a d'ores et déjà prévu deux autres établissements en cas de nouvel attentat à court terme. La cellule de crise du parquet de Paris a été actionnée. 50 unités de CRS, 150 autres militaires arriveront demain matin. Donc au total, 2550 policiers et la préfecture de police. Qu'en savez-vous qu'il s'agit des frères Kouachi? À quel moment vous apprenez leur identité? 4-5 heures après que leur crime a été commis, puisqu'ils sont partis en laissant un certain nombre de pièces qui permettent de les identifier. Carte d'identité retrouvée dans leur voiture abandonnée, oui, pour les services de renseignement, les frères Kouachi étaient tout sauf des inconnus. Mais depuis quelque temps, faute de preuves, on ne les surveillait plus. Pour aller vite, c'est que l'idée ce soir, tu fasses une sortie pour aller faire le tour des rédactions. Au Monde, à Libération, au Parisien et au Figaro. On sécurise les rédactions, ils sont inquiets aussi. Ils sont inquiets aussi, je pense que c'est... Ils ont tous appelé. Ok. Faisons ainsi. Thank you.
liberté qu'on atteint à travers vous. À travers des policiers, c'est aussi le droit, l'État, la démocratie, la liberté. Pendant que le ministre faisait la tournée des rédactions à Reims, la police perquisitionnait le dernier domicile connu de l'un des frères Kouachi. En vain. On en est où là sur l'enquête sur les auteurs? Parce qu'il y a eu deux, trois petites informations. Je suis moi soumis à l'obligation d'extrême prudence quant aux informations qui sont véhiculées sur l'enquête. Puis la responsabilité, c'est aussi une parole publique millimétrée. Dans un contexte où les informations, encore une fois, doivent être justes et où elles ne doivent être diffusées que dès lors qu'on est assuré que leur communication ne compromet pas l'enquête. Pour le ministre, il fallait communiquer, oui, mais sans trop en dire, alors que la traque continuait, que la rumeur allait bon train et que le danger persistait. Retour tardif à l'hôtel de Beauvau, cette nuit serait courte. Très courte. Le lendemain matin, une policière municipale était tuée à Montrouge. Y avait-il un lien avec les frères Kouachi? Devait-on craindre d'autres attentats? Pour le ministre, il fallait alors répondre sans éluder, informer, sans inquiéter. Les informations concernant les faits très graves, ce qui se sont produits hier et ce matin, vous seront communiquées à mesure qu'elles seront établies, ces informations, et qu'elles seront certaines. Et encore une fois, j'appelle chacun à la maîtrise, à la retenue et à la responsabilité. Ici, dans la salle dite « situation », devant ces dizaines d'écrans sont concentrés tous les services de l'État, les préfectures, les services de renseignement, la police, la gendarmerie, les pompiers et les différents représentants des ministères. Ils centralisent l'ensemble des informations qui remontent du terrain. Par contre, on a des infos sur le véhicule qui a été retrouvé à Arcueil ou pas? Non, j'en ai pas. On n'a pas. Moi, je préfère attendre un peu que ce soit sûr, parce que sinon, ça va s'affoler. Ah, d'accord. D'accord, vaut moins. Hein. OK, merci. Nos deux individus là, qu'on recherche actuellement, là, qu'on a vus sur la carte, ouais, ils ont été vus apparemment, c'est une info gendarmerie. L'hélico se rend sur place dans l'Oise, à Vaumoise. On fait décoller un hélicoptère avec tireur d'élite à bord pour ce véhicule. Ouais, donc effectivement, je confirme, il se dirigerait vers Paris. Hein, et donc c'est bien les deux individus auteurs de la fusillade. Hein, et ils sont sur la, ils ont été localisés du côté de Villers-Cotterêts en direction de Paris. Les deux gugus, le véhicule qui a été repéré, que les gendarmes suivent là pour le moment. D'une info non recoupée des CRS, leur cible, ce serait le siège de la DGSI. Oui, c'est ça. Tu veux pas t'inquiéter? Viens. Avec la DGSI. Non, l'information était infondée. Démentie par cet agent de la DGSI au visage flouté. Ce type de rumeur abondait. Et toutes devaient être prises au sérieux, mais surtout être toutes vérifiées. Je crois qu'il faut rester calme sur ça. Je vais donner une info dans sa décision, je reviens. En salle décision, en temps réel, on continuait à faire état de la situation dans le pays et des violences islamophobes nombreuses. À Villefranche-sur-Saône, ce matin, à 5h30, une explosion s'est produite dans un restaurant contigu à la mosquée. Il n'y a pas eu de blessés, 8 personnes ont été évacuées. À Bitschwiller, des tags ont été découverts sur les murs de la mosquée. À Poitiers, des tags islamophobes ont été découverts sur les murs de la mosquée. À Port-la-Nouvelle, 2 tirs de petit calibre ont été effectués sur le lieu culte musulman. À Caron, dans le Vaucluse, le véhicule d'un résident de confession musulmane a fait l'objet de 3 tirs. Il faut être extrêmement attentif aux manifestations, y compris de niveau de sensibilité plus faible, ou d'intensité plus faible que les faits dont nous venons de parler, qui, dans un contexte de très grande sensibilité de l'opinion publique, sont susceptibles d'appeler des réactions. Merci à tous.
Derrière cette porte, une petite salle nommée le fumoir. Là, le ministre y avait réuni les chefs de la police et de la gendarmerie, les patrons du RAID et du GIGN, ainsi qu'un représentant du parquet antiterroriste de Paris, chargé de l'enquête. C'était une première, et c'était ici qu'allaient être décidées et coordonnées jour et nuit toutes les actions. Donc je réunis tout le monde, et j'indique que nous sortirons de cette petite salle qui s'appelle le fumoir, et qu'après que nous aurons mis hors d'état de nuire tous ceux qui ont cherché à nous frapper, et que chaque opération doit être sous ma responsabilité, rigoureusement et précisément organisée et mise en œuvre. J'entends un fonctionnement intégré, 24 heures sur 24, avec des gens qui se parlent et sont dans le détail des choses. Ce sont bien les deux de Charlie Hebdo qui ont été vus à 12h15 dans un magasin, enfin dans une station-service, dans laquelle ils sont entrés pour chercher à bouffer. Ils n'avaient pas d'argent, ils sont rentrés là-dedans armés, ils ont pris la nourriture, ils sont partis. Oui, avec la Kalachnikov en bandoulière. Donc, et on est sûr que c'est tout. Enfin, on est au moins certain qu'ils ne se cachent plus. Est-ce qu'on peut interdire, on peut prendre des mesures d'interdiction de circulation dans ce périmètre, hein. On peut établir quasiment un couvre-feu. Hein. Bon, à part la RN2, les autres sont quand même des axes qui sont tenables, contrôlables. Il va faire bouger toutes les forces police à Beaurepaire à 14h15. 14h15. D'accord. Ok. Et pour essayer de faire un ratissage de l'est vers l'ouest. C'est ce qui est demandé. Hein. En gros, ça fait un triangle. D'accord. En gros, ça fait la T213 est là. Oui. D'accord. Le triangle en question fouille comme ceci. Oui. Ici, c'est RAID. Ici, oui. C'est GI. Okay. L'axe de séparation, c'est la D973. D'accord. Et je vous ai envoyé sous le plan que vous avez en photo. J'ai vu. Là. D'accord. Et l'idée, c'est de partir d'ici d'est, ratisser en ouest. Ici, le ministre est informé, seconde après seconde. On sera à 15h, à 136 effectifs engagés, 5 docks. Dès qu'on est prêt, vous êtes d'accord avec les gendarmes. Je vais vous donner le top départ des fouilles, vous me le donnez. Bernard Cazeneuve était en lien permanent avec le président et le premier ministre. Tous deux étaient tenus au courant en temps réel de l'évolution de la situation sur le terrain et des décisions stratégiques qu'ils devaient avoir à prendre ensemble. Véhicule Laguna a été aperçu de couleur gris-vert, a été aperçu sur l'autoroute 1 en direction de Paris. Deux individus Tipena à bord. On n'a pas d'autres éléments, si ce n'est le début de la plaque d'immatriculation qui commence par November Alpha. Conducteur cagoulé. Conducteur cagoulé. Donc décollage immédiat de l'hélico appui-feu, d'accord. Vous mettez aux ordres de la SIC Paris et vous rendez compte immédiatement. Et nous déployons le jeudi après-midi énormément de forces en Seine-et-Marne, dans le Val-d'Oise. Mais en même temps, nous avons des informations selon lesquelles ils se sont débarrassés de leur véhicule, qu'ils ont mis dans une casse. On nous dit que la voiture a été abandonnée, la bio. Ce n'est pas confirmé. On n'a pas l'ensemble. Donc la question se pose de savoir si stratégiquement on désarme ou pas notre dispositif en Seine-et-Marne et dans le Val-d'Oise. Et à ce moment-là, nous prenons une décision stratégique dans la nuit du jeudi au vendredi qui consiste à maintenir tout le dispositif. Toute la nuit. Toute la nuit. En complément de cet engagement au sort, on confirme l'engagement de moyens aériens avec un travail à porter sur les moyens antithermiques. Sur les zones voisines. On va aller rechercher la signature thermique, soit de voiture, soit de corps humain. Donc, les terroristes qu'on recherche, l'idée c'est qu'on ne lâche pas le dispositif, même si on n'a encore rien fait. Donc tant qu'on est dans le secteur et tant qu'on a des suspicions, on peut penser que ces gens sont dans ce grand secteur nord-est, hein, disons. On se met en condition d'avoir cette nuit présence effective et demain matin des relèves sur place. C'est conforme. Oui. D'accord. Nous avons raison de le faire puisque le lendemain, ils sortent de la forêt et partent à l'imprimerie. C'est les deux mecs qui ont braqué le véhicule. Et là, le véhicule a été retrouvé à Bordeaux. Voilà, exactement. Ok, ouais. Alors attendez, deux individus retranchés dans une imprimerie. Donc c'est deux individus retranchés dans une imprimerie. CTD, rue 27 rue Clément Ader. 27 rue Clément Ader, sur quel commune? Damartin-Angouëlle. Sur Damartin-Angouëlle. Trois impacts sur le véhicule gendarmerie.
prise d'otage en cours dans une entreprise de Dammartin-Angouet. Voilà. Une voiture volée ce matin. Blessure due au tir de riposte des gendarmes avant le retranchement. C'est possible. Ouais. Non, quand je te dis, et les trois escadrons, ils font mouvement. D'abord, dans un premier temps, c'est la gendarmerie de Dammartin qui est autour. Mais elle n'a pas les moyens de, ni de conduire un assaut, ni de résister au feu des frères Kouachi. Donc nous envoyons le GIGN, et immédiatement la décision est prise de l'envoyer. Et le directeur général du GIGN, ainsi que le directeur général de la gendarmerie, se rendent sur place. Chacotage, il y a peut-être un déjà mort. La zone de défense Paris met en place une coordination des moyens aériens. Ouais, on s'est rendu compte. Le vendredi en début d'après-midi se passe le drame de l'hypercacher. Et moi j'acquiers la conviction que l'assaut doit être donné simultanément dans les deux lieux. Vous appuyez ici au cas où les mecs sortiraient. Est-ce que peut-être qu'ils pourront sortir? C'est marqué BFM. Non, mais c'est marqué sur BFM, c'est le plein écran, un assaut lancé à Dammartin. Koulibaly avait dit, si vous attaquez, voilà. Si vous attaquez Dammartin, moi voilà. Je tue les otages. Donc pour cette raison-là, il faut que nous soyons en situation d'intervenir très vite. Très vite. Mais très vite aussi, la télé annonça en direct l'assaut de Dammartin. La vie des otages de l'hypercacher était désormais en jeu. Ils sont neutralisés. Et à partir de ce moment-là, l'instruction de l'assaut est donnée à l'épicerie hypercacher. Deux ambulances, s'il vous plaît, deux ambulances. Poussez-vous, les gars. On fait quoi? Place de la République, les noms des victimes de l'hypercacher allaient rejoindre ceux des morts de Charlie Hebdo. Merci.
Bien, mesdames, messieurs, la manifestation qui se déroulera demain, dimanche 11 janvier, dans les rues de Paris, sera exceptionnelle à plusieurs titres. En raison d'abord de sa portée hautement symbolique, puisqu'elle constituera un hommage rendu aux 17 victimes tombées sous les balles des terroristes depuis mercredi dernier. Les Français voudront saluer la mémoire des journalistes et des membres de l'équipe de Charlie Hebdo, des policiers nationaux et municipaux victimes du devoir, des otages exécutés par leurs ravisseurs qui les a pris pour cible de sa haine antisémite. Les plus hautes autorités de l'État, le président de la République et le Premier ministre, ainsi que plusieurs chefs d'État et de gouvernement étrangers participeront à cette manifestation. Ce sont des moyens exceptionnels que nous prenons pour assurer le bon déroulement d'une manifestation qui doit permettre, dans le recueillement, à tous les Français qui souhaitent s'y rendre, de penser à ceux qui ont perdu leur vie, assassinés par le terrorisme. Après tous ces événements, il y a cette marche. Et je me dis, nous allons avoir plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Paris, dans un contexte de risque terroriste élevé, avec 60 chefs d'État et de gouvernement. C'est un peu anxiogène, malgré tout. Je suis absolument certain qu'il ne se passera rien. Mais ça ne m'empêche pas, cette grande confiance, d'avoir une petite méfiance. Mais je suis sûr qu'il ne se passera rien parce que la France n'a pas peur. Et quand je vois tous mes homologues ministres de l'Intérieur venir pour cette conférence européenne à Beauvau le matin, avec cette émotion, cette solidarité, je sens que non seulement la France n'a pas peur, mais que la France n'est pas seule. Et ainsi, des millions de citoyens ont défilé dans les rues de Paris comme d'autres, si nombreux, l'ont fait ailleurs en France. Est-ce qu'on peut rattraper une caméra entre le Cirque d'Hiver et la Bastille ? Des citoyens qui sont venus dire leur amour de la liberté et de la République qui la garantit et la protège. Une immense foule venue communier ensemble et se souvenir des morts, ceux d'une semaine tragique. Réseau signale 17h05, porte d'Auteuil, elle a été vue la voiture. On fait une filature, mais on n'interpelle surtout pas. Hein. Il est piégé, le véhicule. Qu'est-ce que tu entends ? Oui, 12C, il parlait. Une marche républicaine, la plus grande de l'histoire du pays, qui s'est déroulée sans incident, dans le calme, sous le regard attentif des milliers de caméras de surveillance de la préfecture de police. Des caméras qui scrutaient, dévisagées de près, de très près. Mais ce jour-là, honnêtement, personne n'y songeait. Et tous applaudissaient. C'était une première, la police. Nous avons été, le président de la République, le Premier ministre et moi-même, extrêmement fiers de voir les Français applaudir à l'évocation de vos missions lorsque vous passiez dans les rues. Je peux vous dire qu'il y a dans le pays une immense reconnaissance pour le travail que vous avez accompli, pour le courage dont vous avez fait montre, pour la détermination qui a été la vôtre et qui montre que la République est plus forte que ceux qui veulent l'atteindre dans ses fondements. Bravo. Bravo. Ainsi, notre film se termine dans la soirée du 11 janvier 2015. La question de la menace terroriste, elle, perdure.
Cela nous concerne tous. Cela concerne aussi nos libertés. Jusqu'où l'État est-il prêt à aller pour nous protéger ? Jusqu'où devons-nous aller pour défendre la République ?